commencer la pratique du matin, je vais vous proposer la pratique de Surya Namaskar. Nous allons commencer pour intérioriser l'esprit avec un pratyahara. Donc, fermez les yeux. Installez-vous bien dans la posture, bien droit. Et rentrez tous les petits antennes pour explorer votre corps physique. Observez là où il y a des petites tensions et travaillez ces tensions avec l'énergie de l'expire. Envoyez l'énergie là pour qu'elle se relâche. Nous allons chanter maintenant trois fois le mantra Om. Je vous propose ce matin de travailler sur le Namaskar avec l'observation des trois premiers corps. Nous allons faire trois cycles avec l'observation des postures du corps physique. Je vais vous guider pour installer bien la posture à chaque opportunité. Puis nous allons faire deux fois avec l'observation de notre corps d'énergie à travers le souffle, à travers la respiration. Et pour finir, un cycle, un dernier cycle avec l'observation de notre corps mental. Quelles sont les émotions qui nous traversent? Quelles sont les images, les souvenirs, les pensées qui traversent mon esprit pendant le temps que je fais Surya Namaskar? Installez-vous bien dans votre tapis. Lever tout ça pour que vous puissiez bien regarder les postures. Il vous faut bien évidemment des habits confortables, que vous puissiez bouger à l'intérieur sans problème, sans être étouffé, que la circulation puisse se faire ainsi que les souffles. C'est parti. À la tête du tapis, paume contre paume, le coude écarté. Les jambes puissantes, le rotule monté. Je sollicite les grands fessiers et les trois abdominaux. Les épaules sont relâchées. Menton un petit peu vers la poitrine, question d'étirer la région cervicale. Toute la posture est lancée vers le haut. Les yeux se ferment. Je me concentre dans l'espace du cœur. J'inspire profondément. J'expire profondément. À l'inspire, je lève les bras. Je les passe derrière les oreilles. Une extension de l'avant du corps. À l'expire, j'observe les nombrils, je pousse les fessiers et je commence la rotation à partir des hanches
pour faire la flexion par l'avant. À l'inscrire les pieds droits loin derrière, il y a ça, trois points d'appui et je peux me lever. Avancer le bassin, relâcher les épaules et regarder vers le haut. À l'expire, les deux pieds derrière, à la distance du bassin, je pousse avec les talons des mains pour pousser les talons des pieds au sol et tourne la tête vers les nombrils. En apnée, je passe les poids du corps vers l'avant, je pose les genoux, je plie les coudes collés du corps pour pousser la poitrine et les menton. Je couche les pieds et j'inspire. Je glisse vers l'avant, je descends les coudes, je libère les coudes. À l'expire, je reviens sur les postures. Inspire. Expire, flexion antérieure, inspire, extension avant, expire, inspire, les bras vers le haut, vers l'arrière, tendu, jambes tendues, très puissantes. Expire, je pousse les fessiers vers l'arrière, je descends. Je rentre dans la tête, les épaules, les bras. Inspire, les pieds gauche derrière, les trois points. Et mes dresses, je descends comme ça. Et je libère la tête en bas, à l'arrière. Et expire, les deux pieds à l'arrière. Et dépousse la posture avec les talons des mains. Jambes puissantes, bras puissantes. Nombril absorbé. En rétention. Inspire et je reviens. Expire. Inspire. Pieds droits devant. Expire. Calmez-vous bien en souffle. Inspire. Vers le haut, vers l'arrière, les bras. Et expire. Ça, c'était les premiers cycles. On va faire encore deux. Vous connaissez maintenant les postures. Je vais faire des petites annotations. Mais surtout, surtout, calez-vous bien au souffle. Première posture, c'est la posture de Pranayama. C'est un mantra. Mon esprit est intériorisé et je suis dans l'espace du cœur. Mettons un grand inspire et un profond expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Rétention. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Attention. Inspire. Inspire. Expire. Concentrez dans le cœur.
troisième cycle. Calez bien les souffles. Un profond inspire et un profond expire. Inspire. Expire. Expire, inspire, expire. Attention, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Tu lâches les mains et tu restes à l'intérieur pour récupérer un petit peu le souffle. Maintenant, nous allons passer à la pratique de Surya Namaskar, bien concentré dans l'énergie. L'énergie est véhiculée par les souffles. Alors, les temps de mouvement. Visualisez votre souffle qui parcourt le corps. Et je vous dis, au moment de poser la posture, où l'énergie est concentrée. Dans un point d'énergie, ce que nous appelons dans le monde du yoga, les chakras. Là où vous êtes, dans le cœur. Inspirez profondément. Expirez. Inspire. Gorge. Expire. Pubis. Inspire. Derrière le front. Expire. Gorge. Nombril. Inspire. Pubis. Expire. Gorge. Inspire, derrière le front, expire, pubis, inspire, gorge, expire, cœur, cœur, gorge, pubis. Gorge, nombril, pubis, gorge, derrière les fronts, pubis, gorge, fermez les yeux, restez un petit moment. On va faire le deuxième. Et je vous propose quelque chose d'intéressant. Vous êtes installé au début de Surya Namaskar, vous êtes installé en anahata, dans le cœur, dans ce centre d'énergie. Au moment où vous passez à la deuxième posture, vous êtes comme ça, vous êtes au cœur. Vous allez faire comme ça en inspirant. Vous allez déplacer l'énergie jusqu'au
prochain point d'énergie. Ok? Donc, essayez de sentir pour bien véhiculer votre énergie. Je vous rappelle que votre corps d'énergie est aussi maîtrisable, manipulable, gérable que votre corps physique. Quand j'ai besoin de prendre quelque chose avec ma main, je fais comme ça. Je ne me pose pas la question si je vais pouvoir arriver à faire ça. Je ne me pose pas la question, je prends. Votre corps d'énergie, c'est exactement pareil. Ne vous posez pas la question. Sentez votre corps d'énergie et faites-le déplacer. Tout simplement, aucun doute. Vous avez un corps physique, nous tous, nous avons un corps d'énergie. Et nous avons un corps mental. Ils sont différents et ils sont liés entre eux. Là, je suis dans le cœur. J'inspire, je fais monter l'énergie jusqu'à la gorge. J'expire, je fais descendre l'énergie jusqu'au pubis. J'inspire, je fais monter l'énergie jusqu'au derrière le front. J'expire, je fais descendre l'énergie jusqu'à la gorge. En rétention, l'énergie continue à descendre jusqu'au nombril. J'inspire, je fais descendre encore jusqu'au pubis. J'expire, je fais monter jusqu'à la gorge. J'inspire, je fais monter jusqu'au derrière le front. J'expire, je fais descendre jusqu'au pubis. J'inspire, je fais monter jusqu'à la gorge. J'expire, je loge au cœur. Depuis le cœur. Gorge. Pubis. Derrière le front, gorge, nombril, pubis, gorge, derrière le front, pubis. Fermez les yeux. Je suis sûre que vous avez bien travaillé, bien concentré. Ceci est une pratique courte, mais très puissante. Elle va booster votre corps physique, elle va apaiser votre corps mental. Je vous souhaite une excellente journée. Hari Om Tat Sat.